Le 26 juillet a eu lieu Arago Beach Street. Alors l'idée, c'était de faire venir la place sur le quartier. Alors sur cette journée, il y a beaucoup d'activités, à savoir du foot, du basket, grosse participation des filles. Les ateliers artistiques du Cap-J étaient également présents. L'atelier de Carlos ont proposé une fresque. L'atelier de Stimo ont proposé de la danse. On a fait venir une structure gonflable. Gros remerciements à l'association ADT, Association des Talents, pour leur participation à cet événement. On a aussi fait venir un bar à fruits qui a eu un très très gros succès. Sur la fréquentation, donc, on a eu pas mal de jeunes du quartier. On a eu aussi pas mal de familles, de mamans avec leurs enfants. Nous n'avons pas eu que des jeunes du quartier d'Arago. Nous avons eu pas mal d'Odoniens de différents quartiers de la ville. Et ça, franchement, c'était une belle réussite pour nous, le mélange des différents publics des quartiers de la ville. Toute l'équipe remercie les jeunes du quartier d'Arago parce que sans eux, cet événement n'aurait pas eu lieu. Alors nous souhaitons remercier tous les collègues qui ont participé à cet événement, qui ont contribué à cette belle journée. Aussi les jeunes du quartier qui ont mis la main à la pâte, les bénévoles, ADT qui a participé également, la maison de quartier et tous nos collaborateurs extérieurs. Là, je dis ça parce que je sais que tu vas me couper. Tu vas me couper.